maintenant, il est assez large pour tes trois roues. Tu vas quand même devoir y aller doucement. Alors là, c'est sûr, c'est plus large. Allez, essaie un des tunnels. Je peux retourner sur la rampe. Tu devrais quand même essayer un des tunnels. C'est le plus amusant. C'est amusant. Attends, ne bouge pas. Il manque un boulon. Au secours. C'est vraiment plus amusant. La tour se balance dans tous les sens. Il faut l'immobiliser. À l'aide. Le problème est réglé, Scutio. Et voilà le travail. La sécurité avant tout. Allez, Scutio, tu peux descendre. Merci, DJ. Je ne vois pas comment j'aurais fait pour descendre toute seule de là-haut. Il est là-bas. Le dernier ticket. Allez, brouh. Désolée toutes, mais il y a déjà mon nom sur ce ticket. Hé, moi aussi je m'appelle Zoom. Énorme surprise, mais dans le mauvais sens. Ce ne sont pas les BD, ce sont les menus de la pizzeria. J'ai dû me tromper de carton tout à l'heure. Où sont mes BD? Je crois que Blip les a emportés par erreur pour les recycler. Elles vont finir dans le broyeur. Sauve-les, dépêche-toi. Si je veux écouter Sam d'Acier, je dois me dépêcher de recycler ce carton. Allez, mets la gomme, Blip. C'est bon, il est là-bas. Blip, arrête. Blip, attends. Je sais, je vais prendre mes raccourcis. Je les ai appelés les itinéraires Blip. Personne ne les connaît à part moi, le roi de la course. Juste devant nous. Il a dû prendre un itinéraire Blip. C'est comme ça qu'il appelle ses raccourcis. Viseur, action. Je le tiens, suivez-moi. Blip, arrête! Il y a quelqu'un à mes trousses?
J'arrive pas à voir qui. Ça doit sûrement être des chasseurs de déchets. Vous n'aurez pas mon carton à recycler, voleur de déchets recyclables. Oh, il a dû passer par là. Enfin, je crois. Je n'arrive même pas à voir au travers. Est-ce que tu peux te servir de ta zoom cam? Zoom cam, action! Il n'est plus très loin de la station de recyclage de mes parents. Suivez-moi. Écoutez-moi. En tant qu'assistant de l'agent Bunker, je déclare que l'on peut prendre plus d'un ballon si on en a envie. Ouais. On peut même en prendre beaucoup plus qu'un peu plus. On peut aussi avoir autant de bonbons qu'on veut. Continuer à jouer au chamboule-tout jusqu'à ce qu'on batte le record. C'est d'accord. C'est d'accord et c'est d'accord. En fait, la seule règle qu'on doit respecter, c'est tout faire pour s'amuser. Ouais. Merci, Ricky. Et c'est pas si dur d'être agent, finalement. Ouais. T'as vu, tout le monde est content. Oui. T'as plaire. Ouais. C'était peut-être pas si bête que ça de donner qu'une seule friandise par personne. Lâche! Ouais, si on enlève toutes les règles, ça devient vite du grand n'importe quoi. Hé, hey, les amis! C'est bon, j'ai pris toutes les couleurs! J'ai plus besoin d'en choisir une! Oh non! Comment tu vas faire pour atterrir? Oh, t'inquiète pas pour ça! C'est où je veux, quand je veux! Double booster! On peut vous laisser seul pendant quelques minutes? Nous devons déplacer une pierre qui bloque la route. Vous avez de la chance. C'est moins amusant que de faire du camping. Et ben voilà! On est vraiment tout seul maintenant. Est-ce que vous entendez le grondement de la montagne? Hein? Hawk! Hélène! Ici Maxwell! Vous me recevez? Oh, hein? C'est fou, la montagne a la voix de Maxwell et elle s'appelle Maxwell! Parce que c'est Maxwell! Hawk, Hélène! Ici Maxwell! La route est bloquée, on ne peut plus descendre! On est coincés! Ils ont un gros problème! Il faut qu'on aille les aider! Ils doivent se trouver à l'île de la cascade! Allez, venez! On fonce! On est arrivé. Ouvrez l'œil, ils ne doivent pas être très loin. Restez ici, les garçons. Maxwell. Maxwell. Hé, hey, c'est incroyable, vous entendez? On dirait que le vent dans les arbres m'appelle par mon nom. Maxwell, c'est nous. Nous sommes ici. C'est pas vrai. C'est vous, les enfants. Mais qu'est-ce que vous faites là? Salut, les amis. Hey. Pourtant, on n'est plus dans ton jardin. Non, nous sommes venus vous aider. Écoutez, on ne peut pas redescendre. Un arbre est tombé et il bloque la route. D'accord, on va devoir trouver une autre solution. Ne bougez pas, je vais essayer quelque chose. Ricky à la rescousse. C'est parti. Aileron, viseur, gâchette, allez bombe. J'ai quelque chose, regarde. Ça veut dire qu'elles ont fini la course en même temps et elles ont partagé le trophée. Là, elles ont des têtes de journée sportive en famille. J'ai déjà vu cette photo dans la vitrine des trophées à l'école. Je me demande si elles s'en souviennent encore. Maman, j'ai quelque chose à te montrer. Pas maintenant, Ricky. Je dois me concentrer. Il faut que je gagne cette course juste pour s'amuser, quoi qu'il arrive.
Kiki, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Allez, venez, j'ai une idée. La course va commencer. À moins qu'on vous déclare à égalité et que vous soyez amis, peut-être. Vous avez compris le plan? On déplace les panneaux pour que nos mères arrivent à l'école. Là-bas, il faut qu'elles voient la photo. À vos marques, prêts, partez! Dépêche-toi, Luke, les autres motos arrivent! Allez, Zoom Cam, action! Luke, toi, tu vas rejoindre Ricky et DJ pendant que moi, je vais à l'école pour tout préparer. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas! J'arrête pas de m'enfoncer, Ricky, au secours! Scootio, aide-moi! Au secours, les amis! Waouh! Luke, non! Tu vas gâcher ta photo! Je ne laisserai pas DJ ici! Mes amis sont 10 fois, 100 fois plus importants qu'une photo! Double booster, action! Wow! Allez, encore un petit peu plus. Oh. Ah. Ouf. Merci les amis et merci. Hein? Luke. Oh non. Bon, bah on dirait que c'est encore raté pour la photo. Pas forcément. On n'a qu'à la prendre maintenant. Quoi? Maintenant? Fais-moi confiance. Fais-nous un beau sourire. Hein? Franchement, je t'en voudrais pas si tu n'as pas envie de la garder. Mais bien sûr que j'ai envie de la garder. C'est une superbe photo, Luke. Elle est beaucoup plus réussie que toutes les autres. T'avais vraiment d'autres photos de moi? Oui, je les ai retrouvées. Mais je préfère celle-là. Il n'y a pas photo, justement. Elle te montre bien dans toute... comment dire? Toute... Loupitude? Oui, c'est ça. Ta loupitude. Exactement. Le roi de la loupitude, c'est moi. Et vroom! Hey, tu sais quoi? On va lui trouver un cadre. Ah, ah ben, je crois que je me suis encore salie. Oh, félicitations, Blip. Tu as bien mérité ta médaille de chef des As du Guidon. Bravo. Maintenant, je crois qu'on peut manger. Ah ouais. Wouhou.
J'espère qu'il va nous en laisser un peu quand même. Aujourd'hui, tu t'es comporté comme un chef, Blip. On n'aurait jamais pu récupérer le gros œuf si tu nous avais pas fait prendre ton raccourci. Merci, Ricky. À partir de maintenant, je vais porter cette médaille partout où j'irai. Oups, ils sont toujours réglés pour ramasser. Hé, hey, rapportez ça tout de suite. J'ai gagné cette médaille. On arrive trop tard. Je n'aurais jamais dû prendre cette ampoule. Je vous demande d'applaudir Willow Ford. Il n'y a pas de lumière. Non. Qu'est-ce qui se passe? On doit faire quelque chose et vite. C'est les 100 ans de la ville et j'ai gâché la fête. Désolé, il semblerait que nous ayons un petit problème technique. Oh, on avait pourtant tout vérifié. Ce n'est pas de votre faute, c'est à cause de moi. J'ai retiré l'ampoule, je suis désolée. Mais pourquoi? J'avais envie qu'elle soit parfaite pour le spectacle. Elle était toute grise et je voulais en faire quelque chose d'incroyable. Oh, c'était une bonne idée, mais tu aurais dû nous en parler. Code 54, il est interdit de stationner à cet endroit. Dispersez-vous, si vous voulez voir la place illuminée, revenez dans 100 ans. Et voilà, on n'a plus qu'à rentrer chez nous. Non, Scoutio, c'est pas terminé. On va se servir de la Zoom Cam. Zoom Cam, action! DJ, va lui donner l'ampoule. Nous allons refaire une tentative. Je vous demande d'applaudir Willow Ford. À toi de jouer, Zoom Cam. Après tout, je suis peut-être une lumière pour avoir d'aussi brillantes idées. Vroom classique. D'urgence. Et moi la première. C'est vrai que tu es forte, toute. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? D'accord, mais dis-moi, Ricky, maintenant, est-ce qu'on est assez cool pour que tu t'amuses avec nous? Les amis, vous êtes même trop cool pour moi. Mais vous seriez d'accord de me laisser aussi faire partie de votre groupe? Oh ouais, 4 moteurs, c'est mieux que... je sais plus combien on était tout à l'heure. Je ne sais pas, Ricky, fais voir comment tu bouges. Hop, hop, regarde ça. Bon, qu'est-ce que t'en dis, toute? Eh bien, ça manque de travail, mais on va quand même te laisser une petite chance. Yo, Ricky, me revoilà. Alors, on a fini cette course? J'ai une meilleure idée. Et si tu rejoignais aussi les moteurs? Oh là là, on va devoir agrandir le club de danse. Allez, tout le monde en place, on fait la danse de Wilbur.